Salut mes petits challengers. Aujourd'hui, on va se retrouver encore dans une vidéo un petit peu particulière parce que je vais créer un village de poules. Oui, voilà, Bon, vous me connaissez maintenant, je pense que niveau bizarrerie, on atteint des sommets. On va faire un village de poules, j'ai envie. Je me suis levée avec cette envie, donc c'est parti quoi. Avant toute chose, j'aimerais remercier Big Farm Harvest Mobile qui sponsorise cette vidéo un petit peu bizarre. Évidemment, vous pouvez le télécharger dans le lien dans la barre de description. Enfin, je suis bien gentille, mais c'est quoi Big Farm Harvest Mobile? Eh bien, c'est un jeu gratuit où tu peux créer ta ferme, tu peux jouer en ligne avec tes amis. Bon, si t'es comme moi et que t'as pas d'amis, tu peux jouer seul ou avec ta famille, c'est pareil. Tu t'ennuieras jamais entre les événements, les collectes, etc. En même temps, tu t'apprêtes à gérer une ferme, donc c'est pas de tout repos, tu vois. En gros, si ton repas de famille et que ton petit cousin de 8 ans vient te voir en disant « T'as des jeux sur ton téléphone ?» Bah tu peux lui donner ce jeu, il s'ennuiera pas, t'es tranquille pendant 3 heures. Et en plus, c'est vraiment le moment de le télécharger, puisque du 7 au 21 octobre, Big Farm Harvest Mobile organise un événement Plant a Tree Event. Durant cette période, les joueurs seront récompensés par un bâtiment doré exclusif si leur communauté collecte le plus grand nombre de plants d'arbres. Et en plus, ce que je trouve génial, c'est que pour chaque arbre collecté dans le jeu, voilà, bah il y a un vrai arbre qui sera planté dans la vraie vie. Genre, est-ce que c'est pas génial? Tu peux jouer à un jeu cool et en plus de ça, faire un geste pour la planète. Moi je dis, qu'est-ce que vous attendez pour télécharger? Téléchargez-le, voyons. En plus, Big Farm Adverse Mobile fera un don à l'association One Tree Planted dans l'initiative environnementale. Personnellement, ça fait un petit moment que j'ai testé le jeu, j'y joue encore, sinon je vous en parlerai pas. Je vous rappelle que le jeu est à télécharger en description, gratuitement évidemment. Écoutez, nous on va aller commencer à faire un village de poules, c'est parti. Donc, je vous présente Madame Codette. Cocotte Codette. J'ai beaucoup d'imagination ce matin. Alors voilà, Cocotte Codette, pour vous la présenter un petit peu, elle a toujours eu un rêve dans sa vie, Cocotte Codette. Vous voyez? Attendez, faut pas que je la regarde, elle me fait rire. Et son rêve dans sa vie à Cocotte Codette, c'est de vivre dans un village de poulets. C'est vraiment son rêve. Elle veut être une poule même. Mais bon, ça c'est pas possible. Hein. On se calme, Cocotte Codette. Du coup, aujourd'hui, on va réaliser son rêve. Évidemment, une petite présentation s'impose. Donc, son aspiration, c'est être gardienne de la campagne, ou plutôt mère de la ville des poulets. Hein. Elle est réticente à s'engager. Bah oui, Cocotte Codette ne veut pas s'engager. Elle s'engage qu'à ses poules. Elle adore les animaux, évidemment, et elle est imprévisible. Regardez-la. Voilà. Donc, nous allons donner à Cocotte Codette la vie qu'elle mérite. Ok. Nous voici, Madame Cocotte Codette. Ça, c'est la maison de Madame Codette, donc il n'y a pas de souci. En plus, c'est vraiment son style. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'à côté, on va lui créer un village de cocottes. Je sais pas où je trouve cette inspi, mais je l'ai trouvé. Hein. Parce que Madame Cocotte Codette, elle aime pas enfermer les animaux dans des enclos comme ça, ça lui va pas du tout, du tout. Donc on va carrément créer une ville de cocottes à côté de chez elle. Ok, donc on a déjà plusieurs petites maisons de poupoules. On va sortir les différents coloris. En vrai, ça peut être pas mal si on la rapte ici, je pense. Ouais, on va le prendre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Eh, je vous dis, je suis pas bien. Des petites toilettes pour les cocottes. Bah oui, comment voulez-vous qu'elles aillent aux toilettes s'il n'y a pas de toilettes, les cocottes, franchement. Ça, je vais le prendre. Alors, je sais pas à quoi ça va me servir, mais je sais pas. J'ai envie d'avoir ça dans mon petit village de poules. Oh, bah oui, un panneau d'information pour les cocottes. Voyons. Ça va peut-être un petit peu plus le rétrécir. Ah, ça devient trop petit. Ah, je m'éclate. Je vous dis, je m'éclate avec cette vidéo. Regardez les poules maléfiques. Parlez, on va en mettre pas mal des poules maléfiques. Elles vont bouffer toutes les autres. On va mettre quand même des petites poules blanches également. Voilà, madame la poule. Allez, encore une petite poule maléfique. J'arrête. Oh, une poule dorée. Elle va nous ramener de l'oseille, celle-ci. Elle va nous ramener de l'oseille. Hein. Oh, mais on a oublié de mettre des petits poussins. Mais ça alors? Faut bien que les cocottes aient des enfants. Ah, regardez, des petits cartons. Ça va être adorable. On va les mettre en tout petit. En petite déco comme ça. Des petits buissons. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plutôt pas mal. Hein. Et après, faut pas mettre trop de choses. Hein. Vraiment, là, je m'éparpille, mais faut pas mettre trop de choses. Attendez. Oh. Attendez. Ah non, ça fonctionne pas. Hein. Je pensais, tu vois, peut-être ça. Attendez. Non. Ah, ça marche pas. Ça aurait pu marcher, en vrai. Vous moquez pas. Faut pas trop que je m'éparpille, hein, parce que là, je m'éparpille beaucoup. Je suis en train de voir. C'est un peu insupportable. Ah oui, un petit pont. Ah non, mais ça, il faut que je le mette. Allez, on cherche des voitures et on s'arrête, d'accord? Oh, oh là, oh là, oh là. Les gars, mais si. Mais ça marche tellement bien, mais si. Mais oui.
Faut que je mette ça à chacun des poulaillers. Je suis fière d'avoir trouvé ça comme idée, je suis très fière. Non mais alors là, j'ai eu une idée, laisse tomber quoi. C'est trop bien, c'est trop bien. Oh là là, je suis espantée de tout ce qu'on a. Oh là là, c'est pas possible. Mais j'avais vu une espèce de bus londonien un jour. Si je le retrouve pas, tant pis, hein. On passe à autre chose, parce que là j'ai beaucoup trop de choses sur mon terrain. Madame Cocotte, elle veut que le village il soit collé à sa maison, on est d'accord? Donc, on va faire la continuité de sa maison. Ça, on va le laisser là, Adi. Ou peut-être le tourner. Voilà, comme ça, c'est la petite boîte aux lettres des poules. J'adore, j'adore, c'est génial. Alors, là il faut s'organiser les gars, là il faut s'organiser. Je dirais que ça, on va le mettre ici. C'est le stand d'information pour les cocottes. Attendez, je vais à chaque fois me mettre une poule à côté de moi pour voir la... Ouais, voilà, parfait. Ok, comme ça, à chaque fois, je peux voir la hauteur de chaque objet et ne pas faire n'importe quoi en termes d'échelle. En termes d'échelle, est-ce que c'est trop gros, vous pensez? Ouais, non, faut pas abuser quand même. Faut pas abuser. On va laisser ça à la taille que c'était. À savoir qu'après, on va faire la peinture de terrain pour faire les routes, etc. Bon, ça, en vrai, je sais pas pourquoi je l'ai pris, mais je pense qu'on va s'en servir plus tard. Et je pense qu'on va mettre une première habitation à ce niveau-là. Attendez, ça faisait pas ça tout à l'heure. Ah, voilà. Ok. Première habitation ici. Et on va lui faire une petite voisine à ce niveau-là. J'adore. À ce niveau-là, on va pas lui mettre une voisine, mais on va être un immeuble. Un immeuble cocotte. Ah, mais ça fait pas beau. Attendez. On peut pas plus le rétrécir. Ah, non. J'aime pas. Est-ce que celui-là est mieux? Quand même, c'est mieux, je trouve. Je sais pas. Ça, on va le mettre. J'ai envie de le mettre comme ça. En haut, genre. Bon, elle se prend un peu un vase dans le... Hein, mais à ce niveau-là, on peut faire un peu de bazar à côté des toilettes. Je sais pas pourquoi il y aurait des bouteilles, mais bon. Les poules sont ivres, tu vois, elles sont alcooliques. Ici, je pense qu'on va être un petit lampadaire. Mais je pense que ça, on aurait dû en prendre plus. Hein. Je sais pas pourquoi j'en ai pris si peu. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Hein. Ça, je pense que je vais l'enlever au final. J'aime pas beaucoup. Ça me saoule. Ouais, voilà, c'est mieux. Ici, on va mettre une petite habitation de cocotte. Voilà. Et ici, également. Voyons, on va tenter de mettre ça pour voir ce que ça donne, ok? En sachant que là, il y aura sûrement des petits arbustes. Oh, ça donne pas mal, je trouve. Par contre, ça fait que ça, c'est pas centré et ça m'énerve. Voilà. Ok, donc là, la maison, on va la replacer pour qu'elle soit bien droite. Ok, comme ça. J'adore, regardez, c'est trop mignon. Et les poubelles, les poules ne sont pas sales, il faut mettre des poubelles, voyons. On va en mettre une ici, et une, allez, ici. Je trouve ça hilarant. Du coup, le pan, on va le laisser. Bon, de dos, ça fait pas beau, mais comme ça, ça rend bien, vous voyez. Je trouve, hein, je trouve que ça rend bien. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour que ça fasse plus vrai, les amis? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'on va rajouter de la verdure. Oh, des petits tournesols, c'est mignon, c'est adorable, j'adore. Mais ici, par exemple, j'aurais bien aimé mettre quelque chose, donc on va voir. Mais par exemple, ici, dans les jardins, etc., je pense que je vais garder les fleurs. Faire une sorte de petit café pour poules. Un petit café. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal, un petit café de poules. On met une petite peinture de terrain un peu plus gravillonnaire. Ça n'existe pas, ce que je viens de dire. Ok, voilà. Non mais, c'est trop chou. Je suis désolée, là je suis fan de ce que je suis en train de faire. Hein. Je suis désolée, je m'extasie peut-être un peu trop, mais j'adore. Ici, on va quand même mettre des petits bruissons, ici, pour combler le vide. Alors, excusez-moi, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Ici, ça fait très vite, par contre. Oh, une piscine pour les poules. Mais oui. Ce sera la petite piscine municipale pour les poupoules. On va leur mettre des petits sièges d'extérieur pour qu'elles bronzent, évidemment. Avec une mini table au milieu, si elles veulent boire des cocktails, vous voyez. Ah, évidemment, la mobilette de la poule. Une mobilette pour poulet, quand même. Comment elles se déplacent, sinon? Oh, non, on leur fait un petit endroit de pique-nique. Si je mets ça... J'en ai marre d'être aussi intelligente et aussi ingénieuse, j'en ai marre. Dernière touche, parce qu'après, sinon je vais partir dans tous les sens. On va mettre des petits aliments
sur la serviette et ce sera terminé. Parce que sinon, on n'a pas fini. Oh, bah voilà. Des friandises pour poule, j'adore. Oh non, mais là, et franchement. Mais regardez mon petit village de poules, c'est adorable. J'adore. Ah bah là, il y a un petit bug par contre avec la fontaine, mais bon, c'est pas grave. Oh my god. Mais elle est affreuse, elle me fait peur. Hein. Voilà, toutes les poules vont prendre leur disposition, regardez. Trop mignon, elles vont dans la maison, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je pensais que ça fonctionnerait pas avec ça. Oh, c'est adorable. Par contre, là, vous dispersez un peu. Vous voyez pas que vous avez un super truc par ici? J'aurais dû vous enfermer, vraiment. Hein. Donc, nous voici dans le village Cocotteland, comme je l'ai appelé. Je vais vous faire une petite visite. Alors déjà, nous sommes accueillis par le maire de Cocotteville, donc il s'appelle Thierry, il est là, voilà, il me dit bonjour. Et donc, quand on rentre, donc là, on a le guichet des informations à gauche, c'est très important, parce que Cocotteland est quand même un grand village, on va pas se le cacher. Là, on a le panneau d'information, voilà, comme vous montre Thierry. J'arrête, c'est insupportable. Si on va à gauche, alors à gauche, voilà, on a une habitation. Alors voilà, c'est l'habitation de Germaine qui est juste là. Et Germaine habite juste à côté de la piscine municipale, si c'est pas merveilleux. Quand on se retourne, bah alors là, voilà, on a Sylvie, Christian et Tiffen qui s'apprêtent à faire un pique-nique, juste là. On peut dire que Christian roule sur l'or. En même temps, c'est une poule dorée et il a une bête de caisse. Voilà, comme dans la chanson. Là, on a une habitation... voilà, c'est une personne assez... insociable, vous voyez, parce que voilà, elle se protège avec un petit épouvantail à entrée. On ne va pas la déranger plus que ça. Ici, on a un petit étang, bah vraiment tout petit, avec des têtards qui se baladent. On a d'autres habitations, voilà, toujours très fleuries, très ensoleillées. Quand on se retourne, alors là, on a le bar du village Cocotteland, donc c'est plutôt pas mal. Ah, il y a un enfant qui est perdu, enfin, il y a plein d'enfants qui sont perdus. Que fait la police de Cocotteland, on ne sait pas. Et donc là, encore des habitations, hein, à Cocotteland, on ne manque pas d'habitations. Ah, là, on a un très beau plan de Cocotteland, c'est merveilleux. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, donc pour résumer, j'ai fait un village de poules dans les Sims 4. Et franchement, regardez, c'est pas trop joli? On fait la petite visite comme ça, au ralenti, de Cocotte City, Cocotteland. Oh, je me suis trompée. Malédiction. Voilà, bah j'en connais une qui doit être contente, c'est Cocotte Codette, parce que là, on le hait. Est-ce qu'on lui a pas réalisé son rêve de fou? Genre vraiment? Regardez-la, elle a l'air si heureuse à Cocotteland, j'adore. Elle est trop contente, regardez-la. Ah, la faille proche, hein. Bon ben voilà, écoutez, on a réalisé le rêve de Cocotte Codette, d'avoir un village entier de poules avec elle. Je pense que là, elle va kiffer sa vie. Franchement là, je peux rien lui apporter de plus. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'aimerais remercier Big Farm Hardvest Mobile qui sponsorise cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien, mais moi ça me fait plaisir. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.